Le chapitre 2, verset 18 à 24. L'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Tous les oiseaux du ciel et de les soutenir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et il leur donna des noms à tout le bétail. Les bobards ont fait ça pour la première fois. Les animaux des champs. Mais pour l'homme, il n'est pas prêté de semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il fit une de ses côtes. Il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cet homme. Qui est aussi de maison et chef de ma chair. On l'appellera ça. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et pourquoi ils ont tous ces enfants? Ah, ah, prions ainsi. Dieu de la vie. Dans la Bible, moi le grand enseignant. Nous voilà, si vous voulez. Après avoir réuni tes disciples. Si mal vous sentez, ça va y être. Je leur ai dit. On va qu'il y ait un. Je vous enverrai le consolateur. La routine est la vie. L'esprit de vérité. Pour les enfants, on se. Et lorsqu'il sera venu en vous. Il vous confiera toute la vérité. Il prendra ce qu'il est de moi et vous l'apportera. Nous te prions d'être avec nous. Tu vois les bénisses ta parole que nous venons de lire. Tu réponds de tes riches bénédictions. Dans chaque cœur ce soir. Oh, Père, nous avons quitté nos maisons. Nous sommes bénis comme ta mère. Afin d'élargir notre entendement. Afin d'avoir une parfaite compréhension. Alors que nous sommes en train d'aborder ce gros mystère. Celui de mariage et divorce. Avec une crainte et respect. Nous avec nous comme la salle et nous regardons. Et comme nous entendons. Maman, tu nous élèveras dans le lieu céleste. Pour ta gloire, nous avons prié et demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Voyez, voilà, mon ami, le monde sera quand même dans la famille. Nous continuons notre sujet. Pour qu'on a dit ça, pour qu'on dise à ma mission. La vérité sur le mariage et le divorce. Bonsoir. Après avoir vu tous les points que nous avons déjà vus par la grâce de Dieu, et ça fait déjà un bon temps que nous sommes en train de définir le mariage. Et nous avons
Et donc, qu'est-ce que le mariage nous avons retenu? Définition numéro 1, que le mariage est un mystère. Et auparavant, nous avons le sacrement de Monsieur et le sacrement de la Vierge. Nous avons défini ce que c'est qu'un mystère. Mais nous avons lu. Le prophète. Là où il dit que le mariage est un mystère. Et la Bible aussi. Définition numéro 2. Nous avons vu que le mariage c'est la plus vieille institution établie par Dieu. Et nous avons vu ce que c'est une institution. Et nous avons vu le prophète. La plus vieille institution établie par Dieu. Il dit ici dans le jardin des thèmes que le premier mariage, que le mariage a été célébré pour la première fois. Et c'est là-bas que Dieu l'avait institué. Et nous avons donc compris que le premier à se marier de toute la création. Le mariage est une révélation directe venant de Dieu. Et vous faisons connaître qui est votre conjoint. Nous avons lu ça dans la Bible, par exemple, plus de 85. Définition numéro 4. Le mariage, ce n'est plus comme nous avions toujours l'habitude de voir quand il y a des mariages. C'est un feu à Dieu. Et à cet homme.
Si tu prends Dieu et l'homme, plus la femme, ça fait combien? Ça fait quoi? Voyez, une fois que vous avez fait, c'est une promesse. Vous êtes ma vie. Et là, je vous avais lu l'Ecclésiaste 4. Et verset 12 dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent même résister. Car il est encore à toi si ils ne seront pas facilement. Singaone tana misinga misa kwenye kama ada pete. La corde à trois fils. Singaone tana misinga misa. Irresistible. Ezapa la makasi. Irresistible, parce que c'est fait de trois fils. Ezapa makasi kwenye sali na misinga misa. Nous sommes maintenus dans le système de la corde à trois fils. Il n'y a pas que l'homme. Il n'y a pas que la femme. Mais il y a aussi Dieu. Si tu comprends, dis amen. Que tu nous sommes au saint. Nous avons vu que le mariage. Et l'union par les liens sacrés entre l'homme et la femme, c'est basé sur la loyauté ou la fidélité de l'homme envers l'autre et sur la parole infaillible de Dieu. Et nous avons une citation. Définition. Numéro 6. Le mariage était un accord. Si tu es là, dis amen. Un enfant est une entente. Une alliance. C'est un pacte d'amour. Vous voyez, c'est un accord. Donc, un pacte. Encore une alliance. Là, je vais mettre ça ici. Accord. Pacte. Alliance. Déco. Entente. Yokana. Le mariage, c'est ça. Il parle à des rôles. Vous êtes avec moi? Vous avez un accord? C'est un accord. Les hommes, Yokana, un accord. Une entente. Si vous ne vous entendez, c'est à cause de ça que Dieu, dans sa merveilleuse, n'a pas voulu que vous puissiez entrer au mariage plus tard. Il n'a pas voulu que vous puissiez entrer avec promptitude. Rapidement. Non. Et c'est un processus le mariage. Ça prend du temps. Et notez dans vos cahiers et dans vos termes, tout ce qui prend du temps pour croître est solide. Et a du caractère. Je répète, tout ce qui prend du temps pour croître est solide. Et a du caractère. C'est-à-dire qu'il respecte les étapes de la croissance. Ils sont fragiles. Parce qu'à cause de la démographie, la mission se veut venir à bout du problème de la famille mondiale. Et ils sont des choses pour essayer de faire produire la rapide. Et il y a des retombées sur le corps. Et cela ouvre la porte à la quatrième dimension pour qu'il y ait prolifération des différents types de cancers que nous avons aujourd'hui à cause de l'alimentation. Pacte d'amour. Faites la même partie. De la communion.
communion. Latina. Samedi, je répète la citation, je n'ai pas de travail. Je vais vraiment m'appeler là-dessus. 11 juin 78. Donc, la communion, c'est pas l'amour. Communion en anglais, fellowship. Vous avez un bel fellowship. Vous avez deux personnes dans une même barque. Vous pouvez la même direction. Vous pouvez les dire encore. Et donc, c'est l'amour qui provoque. C'est ça, vous nous donnez beaucoup. La communion vient par l'amour. Vous savez, la communion. Et l'amour exige la communion. Vous ne pouvez pas mentir. Vous pouvez que vous aimez votre personne, mais vous avez du mal à parler avec elle. Et chacun est dans son coin. Vous ne vous aimez pas, vous vous trompez. Ne devenez pas des acteurs de cinéma. Ou comme les gens sont là, vous faites semblant. Comme si tout va bien. Et quand les gens parlent, quittent chez vous. Et chacun de vous reprend sa forme initiale ou sa position de départ. Non. L'amour, et Dieu vous dit les âmes, exige, oblige la communion. Si vous aimez voter, il vous faudra bien être à ses côtés. Pour faire quoi? Pas pour la taper, pas pour l'engueuler, pas pour la tanguer devant les gens. Si vous aimez votre ami, ce qui vous dit, vous le dit, car vous aimez être avec lui, parle. Bien, c'est le même encore. Pour le comme on et si vous aimez Dieu, est-ce que vous il doit y avoir une base pour cette communion. C'est ça, vous ne pouvez pas avoir une communion totale et une existence sans ce genre d'accord. Vous ne pouvez pas vous marier à une femme
Est-ce qu'on peut avancer? Vous voyez les morceaux? Mais madame, et voilà comment ça. Ça c'était. Prenons, ça c'était nos communions. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour la deuxième. J'avais vu ça en moi. Vous prenez une sœur de solidarité et vous pouvez ressentir ici quelque chose de précieux. Mais c'est le 16 décembre 1966. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour la deuxième. Avant que nous allions plus loin, en Orient, les Chiensailles, c'était la même chose que le mariage. Et une promesse de mariage. Dès que les gens étaient chaussés, ils étaient mariés. Lorsque ces feux sacrés étaient faits entre eux. Lisez les Deutéronome 22. Vous verrez que lorsque l'homme était la femme, se mettait d'accord. Ah, lorsqu'elle se mettait d'accord. Lorsqu'elle s'accordait. Lorsqu'elle s'entendait, lorsqu'elle se mettait d'accord pour se marier, même s'ils n'ont fait de feu des mois plus tard, s'il leur arrivait de briser ses feux, ils étaient coupables d'adultère. C'est vrai. Dès qu'ils étaient chanceux, c'est exactement comme s'il s'était marié. La loi ne l'a autorisé. Ne l'a autorisé pas encore de vivre ensemble. Donc vous voyez que dans les choses, même quand vous avez feu, la loi ne vous autorise pas de vivre ensemble. Comme mari et femme, c'est-à-dire, quand vous êtes fiancé, la loi ne vous permet pas les rapports sexuels. Vivre ensemble comme mari et femme signifie avoir des rapports sexuels. Et puisque vous êtes là, mais défendu, pas devant les hommes, défendu, dès qu'ils se promettaient l'un l'autre, l'un à l'autre, leur parole était scellée dans le royaume de Dieu. Et puis c'est cela. C'était la même chose que quand même la vie. Et ainsi, Joseph était chaussé à mal. Et il avait donné ce que vous avez dit. Si mes frères prédicateurs, si vous examinez derrière cela, cela vous éclairera sur cette question du mariage et du divorce. Si vous ne restez pas longtemps dans les écrits, et qui dit, pour ressortir, c'est que Dieu nous a dit aujourd'hui, vous allez détruire les villes de Sodome. Quand j'ai attendu 17 ans, avant de parler de ce sujet dans cette année, écoutez frère, vous voyez, et bien, Joseph le sauveur, qui était un homme de bien, nous voyons que cela ne pouvait pas être pris. Qui peut dire Amen? Définition numéro 7. Madame dit, le mariage est un don de Dieu. Nous avons vu le dimanche. Le mariage est un don de Dieu. Quand Dieu donne à un homme et une femme, il s'engage à une femme. Vous voyez, une femme connaît par qui elle est un don. Et beaucoup de gens ne le savent. Que le mariage est un don. Il a dit que vous ne pouvez pas acheter la fraternité de la vie. Et c'est sur pas que ces citations que ce madame a taxé ce monsieur là, ce malheur a
marche. Les sangs et les capots. Et il y a la tête pour la malmener du jeune fille. À s'attacher à lui. Et je leur ai dit, tout homme qui procéderait de la mienne, ce n'est même pas des noms de ces dernières. On n'achète pas la vie. On n'achète pas la fraternité. Parce qu'il faut que ça soit un bon verre de Dieu. La vérité est un don de Dieu. De quoi les séparations sont des cités. Et tout ce que nous faisons, c'est d'essayer d'acheter la fraternité de la vie. Vous ne pouvez pas acheter la fraternité de la vie. Il faut qu'un don de Dieu fasse cela. C'est un mot. Et on ne peut pas acheter la fraternité de la vie. C'est un mot. Par exemple, un mariage qui est bâti sur quelque chose concernant les célébrales d'âme. Un mariage qui est fondé. Sur les présents, les cadeaux, les libéralités. Comment cette fille-là tu l'as amené à s'attacher à quoi? Comment pour le Seigneur là? Parce que tu veux comprendre. Elle s'est lancée le louche après l'âge. Et chaque jour tu lui as amené. Et tu es comme j'aime les amis, je vais faire des cadeaux. Et en tout cas, c'est réveillé dans les cadeaux. Et elle donne dans les cadeaux. Je le jure que le système des cadeaux cessera d'être. Votre amour aura une fin. Pourquoi vous l'avez? Je ne sais pas pourquoi je l'ai. Mais je ne peux pas m'empêcher aussi de l'aimer. Dans tout ce que tu es. Dis quand comme Dieu nous a élevés. Pas parce qu'on était sacré. Pas parce qu'on était pauvre. Pas parce qu'on était quelque chose. Il a porté son dévolu sur nous. Et l'amour a provoqué vous êtes tous les portes de la grâce. Et sa miséricorde nous a accueillis. C'est par amour que nous sommes sauvés. À cause de l'œuvre accomplie à Jésus. Vous voyez, ça ne tiendra jamais. Écoutez mes amis, vous ne pouvez pas y arriver. Si tu bois senti un frère à frère. La seconde qui s'est convaincue, c'est quand c'est contre le soir. Pendant son cadeau. Et la femme a laissé un homme. Prends-lui le coup. Écoutez, madame, mais la condition. Quand un homme prend-lui le coup. Et lui. Et si celle-ci est vraiment son époux, elle est venue pour lui tout comme une partie de lui. Le pasteur même de l'église est incroyable. Et dans les femmes aux soeurs. Et il donne les soeurs. Aux frères. Avec des exhortations inutiles. Non, c'est un bon frère. Dites au pasteur, est-ce que toi tu as déjà vécu dans le même foyer que lui? Vous avez déjà dormi le même lit. Yeah.
Amen.
qui s'était compté la puissance de résurrection, c'est à présent dans sa résurrection. Merci Dieu. Élève Ézéchiel dans le lieu très haut en le transportant en esprit. Je sais que vous m'avez convenu.
Kasi lolenge nini akokamba kandanda lokamwasa mobali mabotama ya sika Prendre, prendre le chef de femme.
Elle était juste une petite fille d'environ 18 ans. C'était l'église s'occupait de lui. Ce gars, c'était ici en Afrique. Les frères et les sœurs n'ont pas fermé à l'époque où on s'est marié. Et il n'a pas la voix de moi si pauvre. Voici que vous êtes cette jeune femme. C'est pourquoi les traditions sur la parole de Jésus. Et dans le temps que vous m'avez demandé. Et des années plus tard, aussi bas, je ne pensais même pas épouser cet enfant. Pas plus que je ne le ferais pour une étrangère qui est assise là. J'avais vu ça dimanche rapide, vous n'avez pas ça. Et il ne pouvait pas, il ne pensait pas épouser cet enfant. Pas plus. Pas plus. Qu'il ne le ferait pour lui étranger. Donc, bien. On n'épouse pas une étranger. Vous avez seulement la citation. L'étranger ici ne vient pas de traduire ça de moto limité. C'est Dieu qui nous a donné le nom. Et par inattention, quand on regarde ce projet là-bas, tu as dit le seul. Et par la société, Dieu va passer carré. Je vais seulement dire, monsieur le colonel. Je vais te chasser avec les citations. C'est Dieu étranger pour toi. Je tiens juste à nous autres même la vie. Para la bomba.
pas la Nairobi. Je n'étais pas dit pendant les fréquentations au déclaration de Plata pour utiliser la citation. Il y a des faux frères comme ça. La frère Maël vous avez mis une citation. La frère Maël a chiffré bien. Il est clair, il m'a connu une citation. Et tant pas qu'il voit dans le pied, pour un morceau de bonbon. C'est donc ainsi que les choses se passaient. Vous savez, comme condition, en tant qu'étaient son enfant. Nous avions donc grandi ensemble. Et je n'avais jamais pensé l'épouser. Mais je vous assure, c'est réellement un don. Et Dieu m'avait envoyé. Quand Dieu me l'a donné pour ça, elle a été un don de Dieu. Donné à Abraham comme épouse. Si Dieu l'a pas dit, Abraham. Et puis il dit, merci beaucoup. Et par elle, Dieu, il m'a donné trois beaux enfants. Qui peut dire amen? Et elle s'est occupée des billets forts. Et elle a dit qu'il n'y a pas de billets forts. Et elle a dit qu'il n'y a pas de maman, une mère. Si tu modifies la pensée de frère madame, ça te répondra. Moi, j'ai lu une mère, une maman, mon pauvre. Donc, moi, maman. Tiens, une mère, c'est maman, mon pauvre. Deux mères, c'est deux mères. Une, c'est un, n'est-ce pas? C'est ça, une mère. Maman, mon pauvre. Voilà, virgule. Une malade. Moi, si à papa, mon pauvre. Viens. Lorsqu'elle vient au foyer, vous savez comment les choses se passent. Le message de la vie dit son yos. Le message dit tout. Mamara, c'est la mère de mes autres frères qui vont venir. Et c'est la femme de mon père. Lorsqu'elle vient. Vous savez que c'est au foyer. Vous savez comment les choses se passent. La femme m'a parlé comme un grossiste. Il a trouvé tout dans cette salle-là. Vous savez comment les choses se passent. Or, moi, je n'ai pas la capacité qu'à moyen de prendre. Mais il me faut en gros. Moi, je vais acheter, je détaille. C'est-à-dire, quand elle rentre dans le foyer. Joseph a 47 ans. Joseph, vous la
démoniaque. De quatre ans. Il n'y a pas accroché dans la main de Marie, 16 ans. Vieille. Elle n'a jamais été la femme de quelqu'un. Dans ses rêves. Et tout. Mais dans 16 ans, elle m'a démenti. 45 mois 16, le matin. Aidez-moi à trouver. Ça fait combien? Hein? Pardon? 29. Je vais vous montrer. Va accepter mon bail, pas qu'à des papas par la ligne. Avec mon dîme, un monsieur qui a déjà perdu 4 enfants. Et c'est pourquoi vous dites dans la Bible. Les frères de Jésus. En démoignage. Et en estime. Ce ne sont pas les enfants de Marie. Ce sont les frères de Jésus. 4 enfants de Jésus. De son père et Maria. Maria, beaucoup la parole. Parce que la Bible, les gens coupent vraiment la peine, mais ils vont s'appeler que vraiment dans mon livre. Si Marie avait mauvais comportement, la Bible avait dit comme lorsque Sarah va juger mauvais comportement de Elohim, la Bible a dit ça. Lorsque David est énorme, à votre lémoine, ça revient à la Bible, elle a dit ça. Quand ça retombe le plus tard, et quand il donne la prédit, il a dit ça. Est-ce que je peux prêcher? Moi, si ma paix. Une mauvaise femme. Moi, je ne pas la venir. Alors que la papa n'a pas la de la fête Pero fue para mí, ¿sabes? ¿Qué pasa?
Pour vous, pour la personne que
connais mieux. Et celle que tu ne connais pas assez, je préférerais rester avec celle que je connais mieux, même si la vérité est ça. Amen. Que
Elle ne m'aime pas ici, mais d'aller dans la réunion, dans le pouvoir. Mais c'est vrai, n'importe qui le sait. Mais vous passez sans tisse. Vous passez sans quoi? Ma femme est belle. Elle est un de ces garçons. Et elle a été. Elle est un mieux pour lui par rapport à sa mère. Les enfants que tu as voulu vont t'aider. J'ai pas écouté un amen. Amen. Vous pouvez pas les kilos. Vous devez appliquer. Jésus savait. La moindre maman a eu. Lui donner une fessée. Vous pouvez aller voir matin à matin. Quand vous avez encore. Quand vous n'avez pas encore si vous. Quand vous n'avez pas encore si vous. Quand vous n'avez pas encore si vous. Mais Méda. Ne l'a jamais touché. Attends, ma maman, tu pouvais aller. Attends, ma maman, tu. Je vais écouter la vie de ces mots. Une femme de départ. Moi, ça fait jamais. Et un don de Dieu. Ah, ça, il est en train de parler. Quand vous faites la parenthèse, là, allons vérifier deux corrections. Avant qu'on prenne une définition de Robin. Je vais cesser. On va s'arrêter. Et pour que je ne sois pas entré dans le cœur. Et pour que la tombe s'abat, le fou de son nom est de paix. À cause de l'excellence de ses révélations. Il m'a été mis sur les chars de la chair. Un ange de Satan. Moi, c'est un Satan. Pour me souffler des. 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 Qui est d'accord avec moi? Ange de Satan égale le démon. Moi, c'est un Satan. Et puis vous devez être habitué au langage de la vie. Quand vous êtes ange de Satan, ça ne veut pas dire un ange que Satan a frappé. Ça veut dire un ange qui est sous les ordres de Satan. Un ange qui a été séduit par le diable. C'est qui travaille pour le compte de Satan. C'est ça un ange de Satan. C'est pas ce que vous avez dit en anglais, mais traduction est meilleure. Très bien. Définition numéro combien? Je voulais abonner. Hein? Ça, c'est ma définition préférée. Pour nous prendre la dégâts pour l'État. Le mariage. Voilà. Est une responsabilité. Mais mon coup encore. Tu n'es pas responsable de tes maris. Si tu es irresponsable de tes maris, parce que le mariage de fond en comble le bouton, c'est une responsabilité. C'est une obligation. Le mariage, c'est une responsabilité, une obligation de répondre de ses actions. De répondre de ses actions pour le sel et une autre personne. C'est un garant de quelqu'un, de quelque chose. C'est un garant de quelqu'un, de quelque chose. Je me suis marié avec le Vincien. Je suis 41. C'est moi qui fais répondre. Pour tout ce qui va lui arriver. C'est à moi de répondre. Et d'ailleurs, c'est moi qui vais répondre pour elle. C'est une responsabilité. Être le garant de quelqu'un. Vous êtes là? Est-ce que vous suivez ça? Tu as des obligations vis-à-vis d'elle. Et des obligations que tu dois toujours couvrir et répondre. C'est un homme qui suit la face de l'éternel. Pourquoi 17 février 65. Pourquoi ça va tout métal. Tout est une responsabilité. Non, c'est un pour combat.
Et c'est si facile. Quand les responsabilités sont devant nous, de les esquiver. Et je veux que tu fasses la table. La table, vous connaissez la même chose. Le mariage est-il responsable? Il va les amis. Pendant que tu le cherches, je veux te définir responsabilité, c'est quoi? Chaque fois que tu lis, mes amis, les temps restent en responsabilité. C'est quoi responsabilité? Je veux que tu rentres dans mon cahier de notes. Responsabilité signifie obligation de l'effort de ses actions. On le sait des autres. Définition numéro 1, obligation. Que l'effort de ses actions et ou que c'est. La manita. Parce que tu auras obligation de répondre aux actions de tes enfants. Tu auras obligation aussi de répondre aux actions de tes enfants. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Ils ont des problèmes dans le foyer. Ils invitent le pasteur. Le pasteur tape sur le mari. Au lieu de réprimander la femme. Je peux bien appeler pasteur Karen chez moi. Quand il arrive, il est condamné de tous. Parce que c'est toi le responsable. C'est toi la tête. Et maintenant, si vous voulez tuer un homme, tapez-le par la tête. Si vous voulez aider l'église, aidez le pasteur. Si vous voulez aider un foyer, aidez le mari. Responsabilité. Obligation de répondre de ses actions. C'est le d'être talent de quelqu'un. Tu es le carreau de cette femme. C'est-à-dire que c'est toi qui réformeras pour elle. Vous parlez à ton compte à problème. Vous êtes travaillé pour elle. À toi là, tu as fait problème. Vous faites sa vie mal. Il avait aussi mérité de bon. Parce que c'est sa vie de la première. C'est toi responsable. Vous êtes dans ton mal. C'est la façon dont elle s'habille. Vous êtes bien la tête jusqu'au pied. Dans votre tir, ma colonne. C'est toi. Pourquoi si elle sort de ta maison, elle sortira avec le vêtements scandaleux. Il n'a pas fait ça. On a fait sûrement. Avec la nature du monde mal. Frère Maramé. Tout est une petite responsable. Nous sommes les amis dans le combat. Et c'est si facile. Tes amis déjà fait. Quand les responsabilités sont devant vous, quand vous êtes dans la position, je les esquive. Pour qui m'aille à je lis, toi tu lis après moi, s'il te plaît. Quand je lis, toi tu lis après. Et on découvre. Et le mariage est une responsabilité. À tous les points de vue. Le mariage est quoi? Allez, amis. À tous les points de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point du mariage qui n'est pas responsabilité. Toutes les facettes. Tu regardes, c'est la responsabilité. Chaque point, c'est le point du mariage. Responsabilité. Tu as des obligations à couvrir et à répandre. Obligation de la chérie. Obligation de la nourrir. Obligation de la fêter. Obligation de la protéger. Obligation d'assurer sa sécurité. Je veux écouter un amen. Par exemple, 40 049. On ne tel nombre de choses qu'on doit faire. Vous avez dans la Bible, c'est que tout ça. Dans la même brochure. Tellement de responsabilités auxquelles on doit faire face. Vous avez coupé de l'aise, tout le monde doit faire face à lui. C'est une responsabilité. Mon Dieu, c'est ce que la terre est sur moi. Écoutez-vous-même. Écoutez. 49. Quand vous allez pour choisir votre épouse, pour vous marier,
Il dit pour moi que quand tu t'emménages là, réfléchis bien sur ce que tu es en train de faire. Car la langue de Dieu, ce qui est pété, il est prêt là, il est mort. On est là, comme moi, on ne te perd pas. Ne perds pas. La capacité, ma maman, ton père, pasteur, était, patient, était, le père, le père spirituel qui t'avait conseillé, était, toi, même. Il était, il est mort. Que tu sois garant. Ce que tu veux faire, parce à tout point de vue, c'est une responsabilité. Et alors, vous devez vous souvenir. Mais jamais oublier. Vous rappeler. Peut-être que vous construisez une maison. Et une belle maison chaude. Et alors, souvenez-vous. N'oublie jamais ceci. En tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever tes enfants. Et vous devez penser que ces pommes urbanistes seront pleines de traces de petites mains sales. Sérieux, Dieu, c'est mon père, c'est peut-être
pouvez avoir la paix. Parce que les enfants sont comme ça, on dit la même chose. On voit que c'est déjà du crayon. À des idées, à des idées. À part la vie. Non. Paix. Ensuite, Asima, vous avez la responsabilité. Vous allez le combat. Est-ce que c'est ce que je suis en train de dire là? Hein? Ensuite, Asima, vous avez la responsabilité de quoi faire? Vous allez le combat de ça, Asima. Et tu t'es. Pour la Israël, dès que tu vas voir le souba, assoudis à qui l'homme, assoudis à Kaleson, assouba. Pour la Israël, le souba c'est qu'il y a tout. Assouba la paix de ta soeur, assouba, au sud-dissier l'Est. Pour la Israël, ce qui touche ici, il y a des vacances d'élite, à la salade à moto, pour les ânes. C'est une maman qui vaut l'opé. Maman, il faut aller à sa caméra, moi là. Mais il y a un maman qui vaut l'opé, la caméra qui l'a. Tu vois tes propres enfants, tu l'as là. Mais tu as dit le ça. Vous allez passer. Tu es le plus de nous sous comme Et si vous ne pouvez pas les taper, vous voyez que c'est votre la porte, c'est que la pilote, la porte, 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 la
C'est parce que quelqu'un est à l'école. C'est parce que quelqu'un a souffert. Et tu dois aller à l'école. Oh, de toute façon, parce qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème ici à l'école. Qui est toutes les qualités que je trouve nécessaires
femme. Et quelque côté moral. C'est une merveille. Et charmante. Et un bon caractère. Et une vraie chrétienne. Tout ce que je peux espérer. Pour me faire une bonne. N'importe combien je dis qu'elle est parfaite. Tu peux l'apprécier. Tu peux voir combien elle est jolie. Tu suis ça. Ah. Mais tant que tu ne prends pas la responsabilité de l'accepter et de la prendre pour femme, elle ne sera jamais ton époux. Pourquoi? Parce que le mariage est une responsabilité. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. 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 Voilà les 8 définitions que j'ai pensées sélectionnées parmi tant d'autres. Et mettre cela à votre portée. Si cela peut vous faire du bien, si cela peut vous aider, bien prochainement par la grâce de Dieu. Mais il faudrait voyager. Nous allons étudier les différentes étapes du mariage. Vous suivez ça? Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que nous allons voir très bien. Nous allons voir la caractère. Les différentes étapes du mariage. Amen. Mettez-vous. Il est 18h43. Alléluia. Je veux que tu te lèves. Sois pas une marâtre. Ne sois pas une marâtre. Je ne sais pas comment on se concerne avec le papa qui a eu pour la cabane à moi. Paraître. Je ne sais pas si le français n'a pas prévu ça. Un paraître et une marâtre. Je ne sais pas comment on l'appelle. Le beau-père, comment vous l'appelez? Je ne sais pas comment vous l'appelez. Paraître. Je vais fouiller ce mot-là dans les dictionnaires. Arrête, monsieur Ferdinand. J'appelle Jacques Abel pour congédier l'église. Bien, ça, Jacques Abel. Lève juste ma main si tu as eu l'église. Ça, pour tout le monde, on va voir pour ceux qui ont la réussite.